Rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Le gaz se rapproche. Le gaz est en train d'avancer. Vas-y mon pote, avance. Tu peux le faire. Tu regardes bien à gauche. Ensuite tu regardes bien à droite. Attention tu tousses hein. Voilà, continue. Le liman là, si tu continues, tu vas arriver en zone. Et là tu vas être trop bien mec. Là tu te mets en position. Et t'as failli le faire! Je vous l'avais promis, messieurs, dames, voici le 9ème épisode old school de la chaîne. L'occasion pour vous de découvrir des clips que vous n'avez sûrement jamais vus sur Warzone France, puisque la chaîne n'existait pas à l'époque. Sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Comment j'ai pu le rater là? Parce qu'il est là. Restez sur vos gardes. La fenêtre de résurgence est sur le point de fermer. Drone ennemi actif. Je me demande bien où est-ce qu'il est. J'ai comme un doute sur où est-ce qu'il était, je sais pas, je... Je me demande vraiment comment il a su où était l'ennemi. Oh attendez, je crois que Sexy a ramassé un pilot. On se retrouve là. Ah merde, ça verrouille un truc. Hein? Quoi? Non, je pose ça. Non, j'ai vraiment rien fait les gars, allez vraiment c'est pas moi. Comme quoi ça peut valoir le coup d'utiliser des lanceurs sur Warzone. Du côté de Punk Hill, c'est le K31 qui est sorti. Ah, ça c'est du sale. Celle-là, elle était vraiment violente. Et d'ailleurs, celle de Norby dans ce clip est pas mal non plus. Coucou YouTube, mec, un hélicoptère. Bah ça c'est fait. Pendant ce temps-là, chez Chouachin. Il me tarde de voir ce qu'il fera sur Warzone avec le RGL 80. On reste sur Rebirth Island avec Prose, qui était comme toujours armé de son fidèle K98. Soldat ennemi à proximité. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité identifiée. C'est ce qu'on appelle du tir au pigeon. Du côté de Rida, l'AON était de sortie. Une véritable boucherie. Oh attention, ça va couper. Oh le couteau pré-shot. Net et sans bavure. Par contre chez physique, vous allez voir que tout ne se passe pas très bien. Mais quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais what the fuck? Franchement, j'ai jamais compris ce bug avec les exécutions. Oh attendez, ça va aller très vite. Oh fucking no. Ah bah vous étiez prévenu. On retourne sur Rebirth Island avec Sexy et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a le compas dans l'œil. À terre. Et tu peux y aller hein. Oh, ah, ça fait le couteau. Mais je vous... c'est quoi, j'avais une thermite, je croyais que c'était un couteau. Et là pour le coup c'est l'ennemi qui a le couteau dans l'œil. Y'a un truc dans le gaz. On aura vraiment tout vu. On avance et on retrouve Punk Hill en direct de Bioweapon Lab. Ah bon, moi j'aurais plus dit de Taïwan. Ah ouais? Ouais. Tu trouves? Ok. Ah ouais, je sais pas. Y'a pas à dire l'agro plus la MP40, ça fait mal. Oh attention, écoutez bien. Fils de pute! Petite merde. Au moins ça avait le mérite d'être clair. On reste sur Caldera, cette fois-ci avec Chouachin. Une balle de 40 entre les deux yeux, ça pardonne pas.
Je profite de cette vidéo pour vous indiquer, ou bien même pourquoi pas pour vous rappeler, que vous aussi, vous pouvez passer sur Warzone France. Pour ce faire, vous retrouverez en description un formulaire vous indiquant les recommandations et surtout les critères de sélection de la chaîne. Donc si vous avez une belle action, un magnifique fail, un descom de qualité, ou bien même pourquoi pas une rencontre avec un cheater sur Warzone, tentez votre chance, on se fera un plaisir de vous répondre et qui sait, de vous faire passer sur la chaîne dans un prochain épisode. Allez, on enchaîne sans plus tarder avec Physique qui fait du sale dans la prison. Oh là là, gros, attends, faut les jouer autrement. Il reste 25 soldats dans la prison. Allez, dehors, cassez-vous, cassez-vous! Terminus, tout le monde descend. Du côté d'OG, ça découpe. Oh! Tu as mis un couteau? Attends, c'est le couteau? Non, c'est pas le couteau, les gars. Si, c'est le couteau, c'est le couteau. Attends, c'est impossible. Lui, il a bien compris qu'il fallait toujours tenter le couteau de lancer. Tiens, je crois que Punky est tombé sur un cheater. Alors, gros fils de pute! Putain, et pour une fois que ça marche, Ricochet ? Incroyable ! En tout cas, Ricochet l'a bien humilié. On continue avec Physique, dont le shoot est plus qu'affûté. Le drone est à court de carburant, il rentre. Oh là là ! J'aurais pas dit mieux. Mais non. Et alors, ma petite poupoule, c'est moi un peu le boss. Vous le savez, je vous encourage toujours à tenter le couteau pour la fin de game, mais parfois, pensez aussi au lance-roquettes. Ah, c'est pas normal. Hein. Ah, bah, bro. Alors, bon, c'est normal. Hein. Alors, moi aussi. En plein dans la bonbonne de gaz, on reste dans le même registre, cette fois-ci avec Riskin. En bas, pas en haut. Ah, je crois, attends. Le camion a duré une demi-seconde. Ah, ils sont bas. La prison, les gars! Oh, c'était cycline! En plein dans le mille. Oh, attention, tendez bien l'oreille. T'es trop fort, frérot. Oh, merci! Oh là là, je l'ai éteint, il a dit t'es trop fort, frérot. Mais putain, j'aime trop ce jeu. Franchement, ça fait plaisir. Il y a des gens qui ont supposé qu'il volait plus bas parce qu'il était codé comme ça pour après l'event. Ouais, j'ai entendu ces rumeurs comme quoi, aussi. Pip aurait été taillé, mais bon. Je pense pas qu'il taille Pip. Elle est parfaite. Prenez-la, faites un clip, allez-y. Un clip qui se passe clairement de commentaires. On retourne sur Reverse Island avec un ESK qui ne laisse aucune chance à ses ennemis. Et hop, je me suis vengé. Oh là là, ils ont pris cher. Ouais, comme tu dis, ouais. Simple, mais redoutable. Pour ce qui est de G, ça tente le ballon de redéploiement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'il est un petit peu tendu. On enchaîne avec un début game aux petits oignons, signé Punkill. Pourquoi j'arrive pas à tirer? Oh là là, oh le TTV. Oh la vie de merde. Oh damn. Ah là là, je suis en train de montrer à tout TikTok. Et t'es télé que je suis meilleur que là. Allez hop, ça dégage. On va faire un rapide détour sur Caldera où Saxy traque ses ennemis. Oh mec. Est-ce que tu te prends toi? Oh là là. Attends-moi deux secondes toi. Attends deux secondes. T'es où? Je le vois pas. Déjà que la balle dans les airs était impressionnante, le 3-6 est encore mieux. Oh attendez, je crois que Rida est tombé sur des joueurs un petit peu perdus. Qu'est-ce qu'il branle? Les gars, les larmes!
Mais c'était quoi ça? Oh mais attends, hé, faut que le lobby entier soit comme ça. Je sais vraiment pas ce qu'il faisait, mais maintenant il ne joue plus. Tiens, Punky est encore une fois tombé sur un cheater. Ça fait quoi d'être à chier au jeu comme ça, mec? Encore une fois, merci Ricochet. Du côté de G, ça va aller très vite. Oh, man! Ah bah là, le clip était obligatoire. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que le SPR de Pros a un petit souci dans ce clip. Super. Dude. Peut-être qu'il va falloir repasser sur le Car 98. A l'inverse, le Panzerfaust semble bien fonctionner. Il a dit « Oh, je vais péter un câble !» Pète un câble, Guy, on attend ça. « Oh, je vais péter un boulard !» Et dans nos bras, après. Ah, mais qu'est-ce qu'il joue, ce mec là-haut? Là, je pense. Oh là là! Ils étaient vraiment à bout et on les comprend. Et enfin, on termine avec physique. Et un conseil, baissez le volume si vous avez du monde à côté. C'est vraiment n'importe quoi. Il était pas content celui-là. Oh mon dieu. Et voilà, ce 9ème épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, d'autres arriveront prochainement sur la chaîne. Et si ce genre de contenu vous plaît, dites-le nous juste en dessous dans l'espace des commentaires. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, salut tout le monde.